Bonjour tout le monde. Alors, comme on était dans la région hier pour le trail de JP, on en a profité pour descendre à Mazamé et aller visiter la passerelle de Haut-Poule. Donc il y a possibilité de faire une boucle d'environ une heure d'après ce qu'on comprend. Donc allez, on va faire ça. On devrait y arriver là. On devrait y arriver. Allez, c'est parti. Bon, en fait, on va partir à gauche et le retour sur Mazamé se fera par là. Bon, en fait, si ce n'est la pente, il faut bien reconnaître qu'il n'y a rien de difficile sur le sentier. C'est plutôt une autoroute. Alors, en fait, on y est en moins de 10 minutes. C'était à voir. Ouais, c'est sympa. Ouais. Alors, on va arriver au village de Poule. Sympa. C'est chouette ces endroits. Hein. Ouais. Chargé d'histoire, tous ces trucs là, c'est top. Il ne passe pas avec la voiture. Non. Ouh, il peut tout jeune dessus là. Il peut tout jeune dessus là.
Wow. Place du marronnier. Franchement, je vais laisser comme ça. Super sympa la vue. Magnifique ce marronnier. Un chat médiéval. Ouais. Hé, hey, tu fais des infidélités à Titi là. J'ai la preuve en image, je vais montrer ce soir à Titi. Le gardien du jardin médiéval. Trop mignon, hein. Les bancs, ils sont des poker. Bon, un petit tour à Opoul, mignon petit village médiéval est terminé. On repart à la passerelle. Ça valait le détour, hein, n'empêche. Oui, oui, oui. Très sympa. Si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à venir. Ouais, ouais. Vous pas comment, hein. En plus, il y a un super resto apparemment, mais ça sent trop bon et il y avait écrit réservé pour midi complet.
Ouais, vraiment sympa. Ouais, et ben je laisse ma place. J'ai pas mis mes mousquetons, autrement je l'aurais fait, mais bon. Oui, très bien pour moi. Bon, on va rejoindre le point de vue qui est en bas là, et après on remonte. Distingue la passerelle avec au poulot dessus. On voit la Vierge, on était tout à l'heure. Ouais. Bon, le point de vue, c'est pas la peine de venir. Hein, hein? Ouais, on voit pas grand chose, la passerelle, on la voit pas bien. Allez, la végétation a dû pousser depuis. Allez, on va faire la boucle. Retour Mazamé. Ouais, ça doit être une fontaine, ouais. Parce que la disposition du... en arc de cercle, comme ça, là. Bon, c'est les anciens ronds-points. Des ronds-points médiévaux. Ouais, c'est plutôt une fontaine, ouais. Apparemment, c'est juste un point de vue, il va falloir redescendre en arrière. Tu veux faire un moonwalk ou quoi? Oh, alors ça, c'est trop sympa. On dirait une proue de bateau. Ouais. C'est trop rigolo. Ah, oh, c'est excellent ça. Oui, j'ai vu. Ah, c'est trop sympa. Ça devait être un point d'observation sur la vallée pour voir arriver l'ennemi. Ça, ça reste un mystère, un moulin peut-être. Tu crois que c'est les vestiges d'une autoroute médiévale? Oui, oui, tout à l'heure on a vu le péage. C'est une piscine? Ah ouais. Ah oui, ça doit être ça. Les bains romains. Mais c'est ce qu'il y avait en haut aussi. Les ronds-points à calèche. Ouais. Les ronds-points à calèche. Il n'y a que toi qui appelles ça comme ça. Hein. Mais oui, mais ça va rentrer dans les mœurs, tu vas voir. Tout le monde appellera ça les ronds-points à calèche. C'est comme si tu montais dans ta chaire, tu sais, pour faire la messe, pour faire l'office. Mais bien cher frère, non, mais bien faire. Mais bien cher frère.
Là, c'est dur à dire. Mais bien chère sœur, pas de boogie-woogie ce soir. Faites vos prières, c'est ça. Et voilà le parking arrivée-départ, tout en bas, à côté de la cheminée. Et Mazamet en contrebas. Ça doit être les abribus médiévaux. Oui. Mais les abribus pour attendre le cheval. Alors là, mis à part le fait que ce soit transformé en toilette aujourd'hui, n'est-ce pas, mesdames, à laisser vos PQ partout. Là encore, je ne sais pas ce que c'était. C'est dommage, ils devraient mettre des panneaux explicatifs à côté. Allez, on continue donc. Bon, vu qu'on vient faire une petite balade à l'époque médiévale, on va dire qu'on est revenu à la croisée des chemins. Allez. Ça y est, on est revenu au point de départ. Il n'y a plus qu'à redescendre la route et... La route et se laisser descendre jusqu'au parking. Bon ben voilà, petite balade bien sympathique au-dessus de Mazamet. Donc franchement, si vous avez l'occasion de venir dans le coin, cette passerelle de Haut-Poule en boucle, c'est vraiment sympa. Ouais. Et le village aussi. Ouais, le village aussi. Le village c'est, c'est vraiment joli. Il y a quoi voir, hein, ouais. Allez, à bientôt pour une prochaine. Ciao. Check.